Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve en ce samedi après-midi pour la suite du DLC numéro 3 d'Assassin's Creed Valhalla. Quelque chose de Ragnarok. Il faudrait vraiment que je note quelque part le nom de ce DLC d'ailleurs. J'étais sur la page des quêtes pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. Je vois que la semaine dernière j'avais fini de récupérer toutes les richesses et mystères et artefacts de cette zone. Et que du coup, je vais continuer la quête principale. La crypte des anciens. Qui est juste ici. Et sans doute récupérer ma dernière opale. Je vais même d'ailleurs. Avant. Déjà passer en plein écran. Parce que c'est bien. Regardez ce qu'il y a comme achat en parlant d'opale. Poussez-vous s'il vous plaît, merci. Hey, bonjour. Bonjour. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Ils sont en train de vendre les brassards du chevalier Issou. Et les prêts du Shinobi. Ok. Alors non, c'était pas un truc que je cherchais. Hop. Je pense à regarder de temps en temps. C'est déjà fait. Du coup, on va TP directement proche de la quête principale. Ah, Uldar. Attends, je vais sauter, mais non, c'est bien en bas. On chantera nos prouesses, mon frère. Nous allons apporter à Sourtre la tête à un œil de Harry. Et il doit y avoir des seigneurs. Alors, zone d'exploration. Frithjof et Tira m'attendra quelque part, derrière ces portes. D'accord. Heureusement que tu parles à toi-même pour me dire ce que je dois faire. Oui. J'imagine qu'un corbeau dans une grotte, c'est bon, voilà, assez grande pour qu'il vole. Hein. Ok, bon, je vais cet endroit est interdit. Non, sans déconner. Je vais raser un peu tout ça. Quoi? Ah, il a ressuscité son. Mais qu'est-ce qu'il faisait de faire ça. Guerrier des flammes. Ah, j'ai levé le entre deux. Y'a pas d'armes que je peux prendre et jeter? Ok. Faut pas l'arc, ça marche bien aussi. Hein. Ah, j'arrivais pas à esquiver parce que. Bouton d'esquive de Scarlet Nexus. Oh là là là. Je me fais pas. Les touches sont inversées. Tu vas crever. Et salut, petit. Petit ange. Excuse-moi, je disais trop vite petit agent. Petit ange. C'est quoi ces ennemis en carton? De coup, ils meurent. Ouais. Ouais, alors je pense que c'est dû au fait que j'ai tellement poncé le jeu avant les DLC et les deux premiers DLC que j'ai un stuff un peu abusé pour le niveau. Donc du coup, oui, j'ai juste à appuyer sans.
Alors, sans trop réfléchir. Marteler la touche, attaque rapide et il meurt rapidement. Je régène mes PV à une vitesse, enfin c'est... Vraiment je m'endorme sur le jeu pour que je meure, hein, clairement. Tac. C'est un peu l'inconvénient effectivement quand tu ponces un jeu au maximum à tout récolter, à tout faire, à tout récupérer. Tu te retrouves overstuffé pour faire la quête principale. Bon après... Ok, c'est la bonne chose. Ouais, encore pire s'il me voit pas d'ailleurs. Mais ça marche là. Bonjour. Ah, enfin, tu es là. Attention, tu pourrais prendre ça comme un manque de confiance. Et tes yeux, ils vont mieux? Ça va aller. Grâce aux dieux, je me remets. De rien, surtout. Bon, si tu me montrais ce qu'il faut faire de cette pierre de soleil améliorée. Einar? Il est vivant, aux dernières nouvelles. Mais il est vieux et lent. Nous devons commencer sans lui. Tac. Ok, ça me disait bien que oui, c'est normal si t'as tout pensé, bah ouais. Je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu. Mais c'est surtout celle-là qui est abusée. Non, c'est l'autre à côté. La foudre a un effet de choc après 3 coups consécutifs. J'assomme les personnes après 3 coups. C'est le... du DLC des druides, je crois. Donc on la loot celle-là. Sur un boss. Bah elle est totalement abusée. Et donc j'en ai une qui fait foudre et une qui enflamme. Inflammation de l'arme en cas d'étourdissement. Ah oui, voilà. Si j'étourdis un ennemi, il s'enflamme. Sachant que mon autre arme étourdit les ennemis. Non, l'ensemble des deux est plutôt quand même assez abusé. Pour le reste, j'ai pas cherché non plus à maxer. J'ai l'arme, la cape du chasseur. Le stuff chasseur, donc pour le reste, j'ai cherché juste. Bah rien en fait. J'ai gardé le truc de base. Qu'est-ce que tu fais ici? Tac. Je connaissais pas Assassin's Creed et j'ai commencé Odyssey il y a deux jours en cochon. Ah d'accord. L'expert en reliques anciennes, mais... Ah, faut quand même que tu fasses l'histoire de base aussi. De soleil ici. Bon, les jeux ont beaucoup changé depuis. T'as beaucoup à faire si tu souhaites tous les faire. La bière de lune? La pierre de soleil. Ça ne peut quand même pas être aussi simple. Ben non. Non. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des faisceaux. Je crois qu'il faut que plus de lumière converge à cette... Oui, bah ça j'avais compris. Hein. Alors, la semaine dernière, j'avais cherché pourquoi il y avait des faisceaux et comment les utiliser. Il lui en faut plus. Là, ça devient logique. Tac. Cela fonctionne. Einar avait raison. La pierre de soleil a l'air d'être satisfaite. J'aurai bientôt la relique. Ok. La crypte des anciens. La Diana. Je n'aurais pas dû me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cela ne s'ouvre-t-il pas? Le mécanisme est-il cassé? D'accord, mais... Je me sentirais bien plus à l'aise si mon père était... À l'aide! Ah! Travail. Moi, je vais me détendre en combattant. Me détendre en combattant, oui, bien sûr. Bah oui, je vais la rouler dessus comme d'habitude, mais bon, ça c'est... Voilà, c'est encore mieux quand j'arrive à esquiver maintenant. Ah, sachant qu'une esquive réussite, je ralentis le temps. Pourquoi? Ok.
tous les faire, ça risque d'être long, oui. Je le confirme déjà. Déjà, si je finis Odyssey level 99, ce serait un exploit. Ah oui, ça va être long, hein. Je sais même pas quand j'ai commencé voilà. Mais je vais être ici depuis un petit moment. Protéger les noms, donc c'est un timer, c'est quoi? Un nombre d'ennemis? Moi aussi je peux lancer les armes. Ok, c'était le dernier. Je cherche une relique, qui est d'ailleurs devenue plus ridée et plus bourrue que la dernière fois. Oh, la ferme. Tu cherches ça, je suppose. La puissante relique. Une breloque. J'ai déjà pris tout ce qu'il y avait de bon. Dans ce cas, nous allons prendre congé. Le chemin le plus court est par devant. À te voir, on croirait que tu reviens du Helheim. Bon, j'étais en train de regarder le premier épisode de Valhalla, c'était le 4 mars 2021, donc ça fait plus d'un an que je suis sur le jeu. Bon, après j'ai fait une petite pause en attendant la sortie du DLC numéro 3, mais... Mais ouais. Ah, du coup, mettre les nains en sûreté. Y'a rien à récupérer là-dedans? Y'a une opale, normalement. Yes, c'est tout ce qui manquait dans cette zone. Voilà. Plus rien à récolter dans cette région. Ok. Oui, un an, c'est ça. Je crois que je m'étais arrêté mi-janvier, à la fin du DLC numéro 2. Donc j'ai dû faire une pause de 2 mois. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Après, je récolte tout, hein, toutes les opales, toutes les... Tout ce qui est récoltable. Coucou. Tiens, mais qui voilà donc? Il suffit que mon beau-fils détourne les yeux un instant et tout va à volo. Quand je pense que son père espère le voir régner sur le Mospelheim. Oh non, 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 non. Elle est du mauvais côté. Elle est rien. Mais elle a le sang de Frigg sur les mains, et elle doit le payer. Trouvez une autre issue. Par où on est arrivé? Vite! Allez au refuge. Je m'occupe d'elle. Toujours des promesses. Bah, si tu fuyais pas, Pas loyal. Frigg aurait eu raison de toi. Si tu peux focus, merci. Ah, pourquoi je perds son focus? Des focus, là. Ah non, ah j'ai peut-être un bug, je sais pas. A chaque esquive, ça enlève le focus. Bon, bah, l'orientation de la caméra un peu chiant. Voilà. Retourne auprès de Sourtre. D'accord. Ok. Bon, ATP... je m'attendais pas qu'il dise ça. Ça a dû se voir sur mon visage. Ok. On va aller rejoindre les nains, du coup. Tu l'as tué? Elle s'est enfuie.
Viens, je suis resté enfermé trop longtemps. De tous les visages que j'ai laissés en Asgard, le tien est celui que je m'attendais le moins à revoir. Tu sembles déçu. J'aurais préféré que tu envoies une Valkyrie plantureuse, seulement vêtue d'un sourire mutin. Avec un tonnelet d'hydromel sous le bras, je suppose. Tu lis mes pensées. Mais en te voyant au palais, à travers le portail de Glod, j'ai su que tu viendrais me chercher. Merci. Tu es un ami, après tout. Être sauvé par le gardien d'une geôle, bien pire encore, cela tient de la poésie. Les nains n'ont jamais compris la poésie. Le ciel est bleu, le vent est doux, et à vie est toujours une couille de loup. Ça tira, ça, comme poésie, ça, Capurin? Une rime aussi grossière que toi. Bon, j'ai à te confier une tâche. À vie me confie une tâche. Des paroles qui glacent le sang. Tu sais que nous autres nains ne faisons jamais de cadeaux. Préfères-tu respirer l'air frais ou la puanteur des bourreaux de Glod? Ça ira pour cette fois. Qu'est-ce que tu attends de moi? Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Fermé! Canaille! Affronte-moi! Prends garde! Ce que tu entames, j'y mettrai un terme. Inverser les touches. Il y a des points faibles. Moi, normalement, je les vois pas. Ah, ils sont juste à l'air. Hop. Zut. Où je vais face à ces touches Alors, pour éviter de prendre des dégâts dans un script. Allez, hop! Il te reste 2 PV maintenant. Ah! J'ai tué le sien. Un petit pas vers la justice. J'aurais aimé lui donner quelques coups de pied. Ce chien a failli me dévorer. Alors, c'est fini? Voilà de quoi créer la confusion chez les Muspel. Pas tant que Sourtre sera au pouvoir. Dis-moi plus sur les reliques, et sur ce que tu en as fait. Que s'est-il passé dans la crypte? À ton avis, Glod m'a supplicié. Il m'a ordonné de ranimer les reliques, puis d'en extraire la magie afin que Sourtre puisse s'en servir. Et tu n'as pas réussi? Par Hell, comment oses-tu? Bien sûr que j'aurais pu, mais pas pour un merdeux comme lui. Naturellement, Glod était trop bête pour voir que je dissipais la magie au lieu de la stocker. Et dès que j'ai appris ta venue, j'ai détruit les reliques pour les rendre inutiles.
pas question qu'elles arment ce crétin de Sourtre. Sous-estimer un tel ennemi, c'est manquer de sagesse. Cependant, tu as eu tort, Ivaldi. J'aurais pu faire bon usage de cette magie. Si tu cherches des objets de pouvoir, j'ai entendu des rumeurs pendant que j'étais prisonnier. Sourtre construit quelque chose de petite taille, mais très, très puissant, et auquel il tient beaucoup. Tellement que si cela tombait entre tes mains, tu pourrais causer de gros dégâts ici, enfin je crois. Voilà qui est plaisant à entendre. Je vais chercher quelques savoirs sur le sujet plus anciens et approfondis que les miens. Mais avant cela, il me faut des outils dignes de ce nom. À commencer par un marteau, et peut-être un burin ou deux. Il y a un barrage au nord de Van Green. Une chose énorme, et presque entièrement gelée. Au sud du barrage, il y a un atelier. Peut-être est-il encore en état. Quand tu auras achevé tes déplacements, tu m'y trouveras. Je viendrai le moment venu. Ok. Quête terminée, la relique. Je pense que c'est lié à la crypte des anciens, c'est ça. Du coup, quête terminée, la crypte des anciens, c'était le groupe de quête. Bah, vu que j'ai appris qu'il n'y a plus les reliques que je cherchais, j'imagine. Alors, quelques points de compétences débloqués. Ok, donc j'ai fini cette partie-là. Il y a combien de levels sur le jeu? Alors c'est une très bonne question que je ne sais point. Je suis arrivé de niveau 498. Enfin, c'est les niveaux de ce jeu du coup. Donc... Alors c'est des puissances ou des niveaux, tiens? Je n'ai pas fait gaffe si je monte de 2 ou je monte de 1 par 1. Parce que j'ai gagné 2 points de compétences par niveau. Soit 498, soit la moitié. Du coup. Mais il n'y a pas de vraiment d'endroit où il t'affiche tu es tel niveau. C'est qu'une puissance. De toute façon, je regarde. Si je monte à 500 au prochain niveau, pour le prochain level up, ou 499. Mais oui, c'est énorme. Donc s'il y a une limite à ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Du coup, j'ai fini la zone et j'ai fini la quête principale dans cette zone. Bah, on va commencer une nouvelle zone. J'ai des quêtes ici. Bah, je vais commencer la zone du nord. Svaladal. Et on va commencer par le bas. Le plus court, ce serait par là. Ouais. Petit voyage. Je vais voir sur Google. Allez. T'as l'info. Sachant que peut-être que ça augmente à chaque DLC aussi. Ou il n'y a pas de limite. Parce qu'il rajoute des compétences à chaque DLC. Et même entre deux d'ailleurs. Par contre, je crois que j'ai oublié de changer ma monture. Ok, ouais, c'est ça. Il m'a remis celle-là par défaut.
Jeu de base sans extension 400 avec extension 599. Oh oui, j'ai encore 100 niveaux devant moi, ça va, c'est large. Ok. Ok, ok. Donc ils ont quand même mis une limite. Ouais, je pense pas atteindre le level. Bon, allez, on va arrondir à 600. D'ici la fin du jeu, c'est quand même. J'ai déjà fait une zone là. Hop, 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 t'arrêtes pas sur la lave. Tac. C'est ce que dit, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Ouais. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait eu d'annonce officielle là-dessus. Ok, c'est fermé. Bonjour. Alors, où est l'entrée? Ok, je vois rien là. C'est une fenêtre ça ou pas? Non. Ça se casse ça? Ah oui, d'accord. Okay. Des fenêtres de glace. Et voilà pour l'opale. Tac. Tac. Hein? Je crois que j'ai un bug. Ouais, j'ai un bug. Bon les Gico, bon jeu et à la prochaine. Eh ben, merci d'être passé. Alors visiblement, merci pour le follow, sachant que... Enfin, j'ai pas d'animation, je sais pas pourquoi. Il y a rien qui s'affiche. Désolé. Mais merci pour tout ça. Tac. Tac. Ah, c'est juste... Petit Ange TV rejoint la Graou Family. Voilà. Ça a mis 3 heures, mais je sais pas pourquoi. Merci Stream Element. Donc merci pour ton follow. Je crois que tu viens de réveiller Stream Element. Il a mis un peu de temps. Dernier, il va être là-dedans. C'est évident qu'il allait être à l'intérieur. Bien, la région s'en portera mieux. Cette rune m'aidera à triompher de la malédiction de l'armure. Ok, plaie de Yotun détruit.